And if you think that I'm strong, don't you see what happens when you're always around? I'm not anymore myself. C'était une deuxième émission et là c'était un petit challenge que j'ai proposé à Médéric, c'est-à-dire de faire une émission 100% filles. Donc voilà, donc j'ai concocté un plateau avec Isaiah, Emily Lady et les poulettes. Il était complètement d'accord, il m'a dit oui je te suis, on y va, ça va être génial, on n'est pas obligé d'attendre le 8 mars pour faire une émission pour les filles, avec des filles, mais aussi pour tout le monde, pour les hommes et les femmes. Il y a plein de choses à faire et en plus il y a plein d'artistes ici. Voilà, on s'amuse bien, c'est un terrain de jeu extraordinaire, mais pour ce terrain de jeu il faut beaucoup de gens qui travaillent derrière, il faut surtout des artistes. Super. Et là, on a cette chance-là d'avoir dans notre région des artistes extra. Donc, je m'en régale. Bravo. La prochaine, c'est dans un mois, mais ce sera une petite surprise. Ce ne sera pas avec des artistes d'ici, mais ce sera les meilleurs moments de la grande soirée Talent France Bleu qui aura lieu donc au Dôme de Marseille. Ce sera le 28 novembre avec toute l'équipe de France Bleu Provence et on concoctera une sorte de best-of en fait de cette soirée Talent. Et la prochaine avec des artistes d'ici, ce sera début janvier. On a plein de progrès à faire parce que c'est du travail là aussi de faire de l'animation radio, de tout enchaîner. Mais je crois qu'on a pris du plaisir avec les artistes qui nous ont offert leur générosité. Donc je dirais que ça s'est bien passé, mais on sera encore meilleur la prochaine fois et la fois d'après encore meilleur, c'est sûr. Merci.